notre pied, on cale bien les parties caoutchouc sur le côté du pied, et ensuite on vient serrer en tirant sur les côtés. Ok. Là, c'est passé par ici, donc on veut dire qu'on sait qu'il est là, hein, donc voilà, on est chez lui. C'est là, ouais. Oh. C'est la neige. C'est quoi comme animal? Et Bifi. Bah, on va essayer de savoir. Alors, du coup, on va regarder ces deux empreintes là. Il y a des graves à y avoir. Ouais, c'est un sanglier, là, c'est un chevreuil. Chevreuil ou sanglier? Parce que c'est en forme de sabot. Mais là, comme c'est comme ça, c'est deux griffes. Deux griffes. Bon, ouais, deux, d'accord, je retiens deux, tu griffes pas trop. Ça, c'est deux griffes. Bah, ça, c'est pas pour la raconte. Et là, c'est autre chose. Si tu fais ça, c'est deux griffes ou quoi? Parce que c'est deux doigts. Voilà, c'est trois doigts, oui. Deux doigts, carrément. En tout cas, il a des grands, il a une espèce de ça représente à quelle période de l'année? Le printemps. Alors comment il fait? L'été. L'hiver. Oh, non, l'hiver. Alors en effet, c'est l'hiver du coup. L'hiver parce que, comme vous le savez ou non, il y a beaucoup d'arbres qui, pendant l'hiver, vont perdre leurs feuilles pour du coup se préserver contre l'hiver. Il y a moins de soleil, il fait plus froid, les conditions sont pas exactement. Quand les arbres ont des feuilles, ils vont produire la photosynthèse. C'est-à-dire qu'ils vont capter l'énergie et la lumière du soleil pour la transformer en énergie pour eux, en sucre, etc. Je crois que c'est nécessaire. Je sais pas ça et puis ça vient c'est notre... Complètement. C'est les êtres vivants les plus vieux. C'est bien un épicéa. Il se vient là? Ouais. C'est-à-dire que si je vous demande la température qu'il fait entre le sol et la plaque de neige. Voilà, il fait 0 degré. Donc dans des endroits, dans des milieux où il fait moins 20, moins 30, moins 50 degrés, on fait un igloo, on est sous la neige et il fait 0 degré. Et là c'est largement supportable pour vivre avec quelques couvertures en ours polaire. Non, on peut pas, quoi. Ok, donc nous on va faire un igloo.